Oui, Robert, oui, retour micro, Robert, là. Est-ce que ça serait possible de venir avec l'indicatif, là? Retour micro, Robert. Bonsoir, la bonne première main, donc ici c'est 14 Sugar Delta, 041, AQSL, Robert, il n'y a pas de souci. Donc ici, hein, je répète l'indicatif, c'est 14 Charlie Bravo 050. Et l'opérateur ici est Fredo, voilà, la basse Normandie, là, le département 50. Donc je me situe à une quinzaine de kilomètres de Cherbourg-Octeville, là. Donc voilà pour mon QTH, là. Retour micro, Robert. Oui, QSL, Fredo, pas de problème. 14 Charlie Bravo 050, c'est donc le département de 50, c'est Cherbourg, là. J'ai quand même des anciens souvenirs, là. Je connais donc très très bien Cherbourg, là. Pour y avoir fait donc mes classes là-bas, donc sur Cherbourg, il y a quelques années donc de ça. Et là donc j'étais venu donc aussi à un meeting en Sugar Delta là, donc sur le bord de la Manche là. Voilà donc Fredo, donc ici c'est 14 Sugar Delta 041, donc Robert c'est département 83, la ville de Bandol, QSL Fredo. Ouais, QSL Robert, il n'y a pas de problème. D'accord, ah ben, ça fonctionne bien là, il y a des pointes à 55 là. Donc, ça marche bien là, Robert. Ça marche bien. Hein. Avec ta permission, bien sûr, là, je suis en train de filmer et je mettrai la petite vidéo du QSO là sur ma chaîne YouTube là en tapant 14CB050. Hein. 14CB050, hein, parce qu'il y en a qui tapent Charlie Bravo en entier, mais faut pas taper Charlie Bravo en entier pour me trouver là sur YouTube. Donc voilà, 14CB050. Et donc tu trouveras ma chaîne, et puis tu auras accès là, au petit QSO là, dans la soirée ou bien au plus tard demain matin là. Robert, retour micro là. Oui, QSL à 100%, il n'y a pas de problème, hein, donc Fredo là. J'essaierai donc de voir un petit peu là. Le QSO là. Voilà donc avec actuellement là, vraiment du très très grand beau temps là dans le sud là, sur la ville de Bandol là, donc c'est le sud de France, on est quand même à 50 km de Marseille. Et là donc avec du grand beau temps, avec un petit léger vent ce soir, mais bon quand même, il a fait quand même assez chaud aujourd'hui, aux environs de 30 degrés là, donc là avec la grande bleue là, qui aussi donc pour remonter la température, il fait quand même pour les baignades et actuellement nous aurons quand même pas mal de tourisme qui arrive, surtout que demain il y a quand même la fête de la musique là, je savais que quand même assez animé. C'est très chaud. AQSL Robert là. Là il y a une petite baisse là, mais bon j'espère que ça va remonter là au retour là. Donc eh ben, nous le WX ici, tempête de ciel bleu, hein, avec des températures bien agréables. Hein. Là actuellement, là au moment où je te parle, Robert, là il fait 20 degrés là. Il fait 20 degrés là, Robert, donc il fait très bon. Hein. Donc voilà, hein. Même la nuit, en laissant les fenêtres ouvertes, il fait très très chaud aussi. Hein. Là, on profite à fond là en Normandie. Là, on profite parce que d'habitude c'est plutôt la pluie. Hein. Donc, mais bon là, le soleil a l'air de vouloir rester avec nous là. Donc on en profite là, au maximum. On va pas se plaindre. Hein. C'est bon à prendre là. Retour au micro, Robert. Là. QSL, ok. moi mes conditions là, je suis avec un Alenco DX SR8, hein, avec son micro d'origine là, le EMS 64 là, pour le micro, hein, et puis j'ai une antenne Skyper là, 3 éléments là, qui est à 6 mètres du sol là, Robert, la QSL. Oui, affirmatif, de très bonnes conditions, donc de trafic pour toi aussi, là, donc tu sais quand il y a une suffisance qui a un petit peu de propagation, bien souvent on n'a pas besoin d'avoir de grosses antennes, là, avec une fourchette, des fois ça marche. Voilà, donc je m'appelle, là, donc je suis venu dans le meeting
Sugar Delta, donc c'était donc à quelques kilomètres de Cherbourg, c'était à Carteville. Carteville, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, la QSL, donc Fredo. Ouais, Robert, merci du retour là. Oui, Carteville, là, ça me parle. J'ai déjà entendu parler de ça. Carteville, ça m'est pas connu ça. Par contre, dans quel coin que c'est, je peux pas te dire, je vais pas te dire de bêtises. Mais j'ai entendu parler déjà de ce petit coin là. Donc, ouais, bah écoute, je te fais retour au micro là. Tu vas me dire dans quel coin que ça se situe à peu près la Carteville. Retour, Robert. Ah ok, d'accord, ok. Bah oui, bah ma foi, hein, c'est bien agréable, hein. Quand il fait beau, hein. Quand le temps est au rendez-vous, là, c'est impeccable, surtout de ce temps-là, là, à mon avis. Ceux qui font des activations, là, ils doivent se régaler avec ce temps-là, là, c'est très très agréable là, pour partir toute une journée, hein. Partir de bonne heure le matin, là, et puis toute la journée, là, activer, là, ça doit être le top, hein. Personnellement, j'ai jamais activé, j'ai jamais fait d'activation. Mais bah franchement, ça serait avec je connais, mais malheureusement, je connais pas grand monde là ici qui font de la radio, hein, du DX. Mais je connaîtrais quelqu'un qui activerait dans le coin. Ce serait avec grand plaisir que j'irais partager cette journée pour rien au monde, hein, franchement. Hein, parce que franchement, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est une expérience que j'aimerais bien vivre au moins une fois. Ouais. Après, ça peut être plusieurs fois, mais au moins une fois, là, je demande pas grand-chose. Et que, voilà, ouais, ça serait fantastique, quoi. Retour, Robert. Oui, c'est ça, Fredo. Mais je connais quand même pas mal d'opérateurs, là, donc, sur Cherbourg. Également, donc, Arnaud, il s'appelle Arnaud. Il était donc sous Verdelta. Je crois que maintenant, donc, il est passé Eva. Et là, donc, je connais donc un autre opérateur. Il s'appelle donc Pascal. Pascal d'ailleurs il est Alpha Tango. Et je connais donc quelqu'un d'autre aussi qui se met quand même assez souvent en fréquence, on entend régulièrement sur la fréquence, sur le département 50, notamment sur Cherbourg, là, QSL Fredo. Ouais, QSL, hein. Ouais, Pascal, ça m'est pas connu ça. Mais ça, l'indicatif là par contre, non, ça doit pas être ça. C'est pas du même alors qu'on parle. Voilà. Mais ouais, bah oui, après faut voir, hein, faut. Ça serait un truc à faire, ça, mais bon, ben voilà, faut connaître du monde aussi. C'est bien d'y aller en groupe, hein, c'est plus agréable que en solitaire, là. Donc voilà. Après, avec le temps, hein, ça viendra peut-être, hein, que si j'arrive à avoir du monde dans le coin, là, et puis, ben ma foi, même si on se connaît pas, on apprendra à se connaître au moins une journée, là, et puis c'est toujours sympathique de partager ce moment-là, là, entre amis radio amateurs, là. Voilà. Voilà, Robert, bah écoute, tu passes dans de bonnes conditions là, hein. Pas au dernier passage là, mais tout à l'heure là, tu verras sur la vidéo, hein. Tu m'as fait une pointe à 57 là, hein. C'était pas mal, hein. C'était pas mal, j'ai même été étonné quand je t'ai redonné le micro, hein. J'ai dit oh là, oh là, ça monte dur là, mais non, c'est bien, ça marche bien là, je suis bien content parce que hier j'ai essayé. À faire quelques contacts et puis bah rien du tout hier, la propagation n'était pas trop au rendez-vous là, et puis bon bah là ma foi là je me suis dit tiens je vais aller un petit peu devant la station là voir s'il y a des amis là sur la radio là, et puis ma foi ouais, c'est bien agréable de t'écouter là, Robert, retour micro. Pendant 2 mois de la radio là, pour une petite intervention de santé là, et puis donc j'ai recommencé donc un petit peu la radio. C'est vrai que actuellement donc il y a quelques jours que la propagation en France est revenue un petit peu là, donc c'est pas plus mal parce que donc on a vraiment donc laissé donc une très propagation qu'on pourrait donc contacter donc plusieurs départements sans problème donc sur la France là, des amis, donc les amis du club aussi, donc, notamment des gens qu'on connaît pas comme vous là actuellement là, que c'est la première fois que je copie, donc c'est là, je vais avec plaisir que je fais le contact là. QSL là, Fredo. Ouais, Robert, là, QSL, hein, y a pas de souci. Bah oui, bah moi de même, hein, le bonheur est partagé aussi pour moi, hein, y a pas de souci, c'est bien agréable là, d'entendre des nouvelles personnes là. Voilà.
Voilà, bah oui, hein. Mais bon, bah la propagation là, je sais pas dans votre département, là, 83, là, voilà, je sais pas si hier elle était, si elle était là, je sais pas si vous étiez en stand-by là pour faire de l'écoute là, ou bien en train de faire du DX, mais nous ici en Normandie, il y avait, c'était calme plat, hein. Bon, il y avait quelques Italiens, des Espagnols, mais rien d'extraordinaire ici sur la France là, donc voilà, retour Robert. QSL, Alfredo. C'est-à-dire qu'en ce moment, je ne suis pas quand même assez présent. Je ne suis pas suffisamment présent dans la fréquence parce que j'ai quand même une rééducation à faire. Et là, donc, ça tombe bien parce que là, c'est pratiquement 20h, là. Et donc, j'ai allumé la radio. Et je me suis dit, j'ai contacté donc un ami donc sur le Portugal, 31 sous garde d'état, il a pu inactiver pour le championnat du monde là. Et donc voilà, donc il m'a attendu 59 là sur le Portugal. Donc sinon, donc comme je disais, là, j'étais pas trop actif et là donc, je vais m'y remettre un petit peu là. Mais c'est vrai que donc là, je suis sur le département 83, mais je suis quand même assez souvent donc sur Marseille, avec vraiment d'autres conditions de trafic un peu plus costaud de ce que j'ai actuellement là. QSL, donc Fredo. Ouais, QSL, hein, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, bah oui, hein. Mais bon, après, voilà, bah, ça fonctionne déjà bien là. Hein. Bah écoute, Robert, là, si ça te dérange pas, parce que là, tout de suite, là, tu passais bien, 57 là. Tout à l'heure, j'ai pas trop eu QSL tes conditions là. Juste me les répéter si ça te dérange pas là. S'il y a un bon passage là, ça serait pas mal. Comme ça, je pourrais marquer en plus ça sur la petite vidéo là. Voilà. Un petit texte là en dessous là en plus. Donc retour micro Robert. Oui, QSL, Alfredo, il n'y a pas de problème. Donc ici actuellement là, mes conditions de trafic sont donc avec un Incom 7000. Donc c'est un petit appareil là vraiment très qui est pour le mobile et qui est donc contactif, qui vient de prendre beaucoup de place, qui est vraiment très bien. Et actuellement je sors à peu près 100 boîtes à chef de sortie donc, de l'appareil. Et là donc actuellement sur la terrasse j'ai donc une VAW28 qui est une antenne qui donc, a été fabriquée donc pas importée donc par GES à l'époque là donc c'était donc le grand magasin là, de radio là et c'est une antenne japonaise là et donc c'est vraiment de brins d'aiguille là c'est vraiment voilà donc une antenne qui est quand même pas mal donc actuellement est en verticale. Voilà donc les conditions de trafic là de l'OM là qui est très près d'eau. Ouais ok là c'est bon là j'ai eu QSL il n'y a pas de souci. Bah ouais ma foi bah ça marche bien hein. Ça fonctionne bien bah, là tu pourras voir sur la vidéo Robert hein. Il n'y a pas de souci là je veux dire tu as une excellente radio hein. C'est vraiment le top hein. Tu verras comment tu arrives ici en Normandie hein. Donc voilà bah, c'est vraiment un plaisir là, de t'écouter là voilà. Et puis là tu vois bah, moi je filme tout le temps mes petits QSO là quand ils sont vraiment sympas comme ça là c'est mais bon même que ça soit de courte durée, je les filme quand même, comme ça, voilà, ça reste quand même un contact, et voilà, même si c'est de courte durée, hein, c'est la propagation, on n'y peut rien, c'est les aléas de la radio, on fait avec, hein, mais voilà, moi je filme, comme ça au moins, les gens peuvent s'entendre là sur ma chaîne, là. Retour Robert. QSL. Dis-moi Fredo là, comment tu fais là donc pour passer donc les vidéos sur YouTube parce que moi j'ai qu'un iPhone et j'aimerais donc savoir comment tu fais pour mettre tes vidéos sur YouTube là, QSL Fredo. Oui, alors ben moi j'ai créé une chaîne YouTube hein, déjà. J'ai créé une chaîne YouTube. Déjà quand on va sur YouTube, normalement on nous demande si on veut créer un compte. Hein, normalement ça doit être marqué en haut à droite, je pense. Hein. Pour créer un compte là, une chaîne YouTube, et puis une fois que la chaîne YouTube est créée, eh ben, tu as juste à brancher soit via un câble USB ton portable, hein, et puis après tu retrouves ta petite vidéo dans ton téléphone là, et puis bah, tu la transfères sur ta chaîne YouTube, hein, tu mets mettre en ligne, hein, c'est marqué en haut de YouTube, hein, mettre en ligne, et puis bah, après en avant voilà, après tu marques ton titre de ta vidéo, tu marques ton petit texte et puis si tu veux marquer un petit texte pour expliquer un petit peu le QSO là et puis puis en avant voilà, ça télécharge, il n'y a pas de souci, puis après ça vient sur ta chaîne hein. Et, voilà c'est tout simple hein. Bon moi je fais ça avec un appareil photo numérique là
hein, un 14 millions de pixels là. Je mets la petite carte SD dans ma tour d'ordinateur, je retrouve dans la carte SD la petite vidéo là, puis je la mets sur YouTube et puis en avant là, voilà, tout simplement là, c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué, hein. Donc voilà, pour aller sur YouTube là, pour s'inscrire du moins. Donc c'est tout simple, hein, Robert là, retour micro. Ok Robert, ben c'est également pour moi là, un plaisir partagé. Hein, Robert, il n'y a pas de souci. Je t'envoie les bonnes 73-51, toutes mes amitiés là, à ton QRA avec ta permission. Et puis à très bientôt là sur les ondes, Robert. Là. Allez, au revoir, c'est vraiment très chouette là. C'est vraiment chouette là. Merci beaucoup, bonne soirée et vive le manque de France. Merci, au revoir. Ok, à bientôt, Robert.